Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV Fait sa culture. Un plaisir de vous retrouver. Vous m'aviez manqué, je dois l'avouer. Cette semaine, on plonge dans l'antre magique des livres avec la nouvelle exposition au château de Nyon à voir dès le 14 février. Et puis en plateau, on découvrira toutes les activités littéraires avec notamment les bibliothécaires responsables Claire, Philippe et Sandrine Alamand. Enfin, en cette veille de Saint-Valentin, quoi de mieux que de s'aimer soi-même? On parlera du spectacle « À qui est ce cul ?» d'Agathe Hazard-Rabou, une performance à découvrir les 14, 15 et 16 février à l'Espace et à Nyon. Mais alors, comment passer du cul à l'amour? On y répondra à cette question, ou vice-versa même, avec l'artiste en question. Ce sont de vrais petits bijoux que vous pouvez découvrir au château de Nyon et grâce à l'association des Amis de la Reliure d'Art. Du 14 février au 5 avril, le château de Nyon présente sa nouvelle exposition temporaire sans reliure d'art, découverte en images. Le titre de cette exposition, qui va durer pendant 2 mois au château de Nyon, c'est « Sans reliure d'art ». J'ai été sollicité par les Amis de la Reliure d'Art qui cherchaient un lieu pour exposer ces reliures faites absolument actuellement par des personnes du monde entier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve toujours, c'est de regarder le livre choisi par le relieur ou par son client parfois. Est-ce que le relieur en a fait? Qu'est-ce qu'il va mettre comme enveloppe pour protéger ce livre et pour le mettre en valeur? C'est à la fois la mise en valeur de l'ouvrage, donc de la lecture, mais aussi de tout le savoir-faire. Une reliure, c'est une protection du livre. Le livre, à la base, est formé de pages imprimées, pliées. Mais ces pages, pour ne pas les perdre et les mélanger, elles sont reliées les unes avec les autres, avec des fils de couture. Donc c'est vraiment un procédé qui a débuté au Moyen-Âge. La reliure, au début, c'était vraiment des livres en cuir. Souvent fait avec les armoiries des rois ou des nobles qui possédaient les livres. Et à partir de 1920, à Paris, il y a des relieurs qui ont discuté avec des peintres et qui se sont dit, plutôt que de faire des décors aux armoiries de la famille, plutôt faire un décor en rapport avec le contenu du livre. Actuellement, les relieurs d'art effectuent encore toutes les opérations à la main et on est vraiment là pour mettre en valeur un texte, des idées. On est vraiment dans un artisanat d'art, mais je crois qu'aucun relieur se considère comme un artiste. Donc si ce livre est d'abord abîmé, on va d'abord le restaurer, lui redonner une solidité pour ensuite le mettre en valeur avec une esthétique, avec des matériaux. Mais on est complètement au service du livre. Justement, ce qu'il y a de très subtil, c'est que c'est à la fois un travail manuel, mais aussi sensible, artistique, intellectuel, où le relieur ou son commanditaire, le client, eh bien, va joindre un texte qu'il aime généralement et puis l'enveloppe qu'il va lui donner. À l'opposé de nos tablettes où nous avons les informations qui nous viennent et que l'on ne touche pas, le livre, on va vraiment avoir un contact physique avec ce livre. Donc nous, en tant que relieurs, quand on le réalise, et puis ensuite après les lecteurs. Et c'est vrai que suivant les matériaux utilisés, le contact va être très très différent. Oui, c'est des objets bijoux, mais qui restent consultables, qui restent lisibles. Pour moi, un livre doit d'abord pouvoir s'ouvrir et se consulter. Et après, quand on veut faire le travail de reliure, bon, justement, ça s'inspire de ces lithographies, les couleurs qu'il y a à l'intérieur, etc., pour refaire quelque chose sur la reliure. Bonne reliure, c'est quelque chose, je dirais, c'est une notion très subjective. Pour certaines personnes, une bonne reliure va d'abord devoir être solide pour bien protéger le livre.
Pour d'autres personnes, une bonne reliure va bien préserver le livre sans le contraindre, permettre une très bonne ouverture, une bonne protection. Ça ouvre sur de nombreux débats et ce sera le sujet que nous allons aborder samedi matin au cours de nos conférences. Chaque livre est effectivement une expérience unique et une relation avec le texte. Et à noter que dans le cadre de cette exposition, plusieurs rendez-vous sont proposés au public, notamment ce week-end, les 15 et 16 février, date qui rassemble le 11e Forum international de la reliure d'art. Toutes les informations sur www.chateaudenion.ch. Et qui dit livre dit forcément bibliothèque. Quel est alors le rôle de ces institutions? On en parle avec nos deux invités, Sandrine Alamand, bibliothécaire responsable pour la ville de Gland. À vos côtés, Claire Philippe, bibliothécaire responsable pour la ville de Nyon. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez certainement d'accord avec moi, une bibliothèque, c'est avant tout un lieu de vie, et pour vous en convaincre à la maison, plusieurs dates à ne pas manquer tout au long de cette année, mais aussi plus proche de nous. En quelques mots, déjà, quel est le rôle d'une bibliothèque, tout simplement? Peut-être on commence avec vous, Sandrine. Le rôle d'une bibliothèque, c'est un lieu social, premièrement, je pense. Un lieu de rencontre, d'échange, où les gens peuvent venir parce qu'ils ont envie de voir des livres et de lire, mais aussi pour se rencontrer dans une ambiance agréable pour tout le monde. J'imagine que vous rejoignez ces propos, Claire, aujourd'hui. Quels sont finalement les besoins des consommateurs? Qu'attend de vous, finalement? Qu'attend d'une bibliothèque, le public? Alors oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Je pense que vraiment une bibliothèque sert à créer des liens. Et là, en l'occurrence, je pense qu'une bibliothèque peut être un lieu de formation, d'information, de rencontre. Mais vraiment, la formation et l'information sont vraiment primordiales. Et tout ça, ça se passe par de nombreuses activités que vous proposez. Pour vous en convaincre à la maison, on peut citer plusieurs exemples. Par exemple, des animations régulières, les histoires du mercredi à Nyon, mais aussi à Gland, la lecture des contes pour enfants le mercredi 1er avril, ou alors des speedbooking pour adultes, mais aussi adolescents le mercredi 13 mai. La littérature, ça reste finalement une transmission orale, Sandrine. Oui, je pense, tant qu'on ne peut pas exprimer en fait ce qu'on a ressenti à la lecture d'un ouvrage, on reste un peu sur sa fin, je trouve. Donc au moment où on peut échanger sur ses lectures, ça prend tout son sens à ce moment-là. Je le citais, les histoires du mercredi à Nyon le 18 mars, là, le fait de raconter, il y a tout un art là derrière, Claire. Oui, je pense que le procédé est assez simple, mais assez puissant au final, c'est-à-dire que les bibliothécaires racontent des histoires, elles les choisissent, et ça donne vraiment l'opportunité de montrer la diversité en fait, des collections, de montrer aussi les connaissances et les compétences des bibliothécaires, et puis de faire figure d'exemple pour les parents. Une professionnalisation de la branche, on a beaucoup entendu parler de ce terme dernièrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, comment on éduque les gens à lire ? Oh, bonne question. Je pense que ça passe en premier par faire voir aux gens qu'on est. On entendait au sujet des reliures que c'était une expérience finalement la lecture. La relieuse, Laetitia Walsh nous parlait d'une expérience, un contact physique. Je crois que c'est ce que vous recherchez aussi notamment avec ces activités. Oui, on veut se rapprocher du lecteur, en fait. On aimerait pouvoir l'attirer, en fait, aussi dans les lieux comme les bibliothèques, grâce à toutes ces animations, en fait, qui donnent envie et qui montrent qu'on est vivant et que le livre n'est pas juste des pages fermées dans une étagère, mais que, voilà, ça va au-delà de ça. C'est vivant. Ouais, un exemple, justement, à Gland, du 9 mars au 9 avril, une résidence d'artistes à la bibliothèque. Oui, exactement. On va recevoir deux artistes, donc une auteure, Virginie Janelas, et une illustratrice, Marie Colli, qui vont rester pendant un mois chez nous et qui vont pouvoir créer en fait un livre pour jeunes et adolescents. Une histoire apparemment basée sur une histoire vraie en lien avec l'exil. Et puis, en fait, pendant qu'elles créeront à la bibliothèque, les gens pourront passer, regarder un petit peu ce qu'elles font et leur faire un retour au fur et à mesure en fait, de la création de l'histoire, ce qui va être très intéressant et pour les artistes et pour le public. Un atelier créatif aussi du côté de Nyon, Claire Philippe. On parlait tout à l'heure des reliures et là, c'est les éditions Ripopée qui s'y collent.
Oui, absolument. En fait, dans le programme culturel de la Bibliothèque de Nyon, l'idée principale, c'est de créer des partenariats avec les milieux culturels et associatifs de Nyon et région. Et les éditions Ripopée, qui sont basées à Nyon et qui font justement de la reliure, enfin, des livres d'art, qui sont en partie artistes elles-mêmes. Et du coup, elles viennent animer cet atelier, ces deux ateliers qui sont complets depuis hier. Et vraiment, l'idée, c'est de... Le fond et la forme sont les deux importants. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser du matériel de récupération, des éditions Ripopée, voilà. Et les dates, le 26 février et le 4 mars, c'est complet, donc on espère qu'il y en aura d'autres. Dans les activités, Sandrine Alamont, est-ce qu'il y a des petits chouchous que vous avez à nous présenter? Alors, oui, il y a le samedi des bibliothèques, donc la grande fête annuelle des bibliothèques vaudoises et maintenant romandes, puisque ça s'est élargi. Donc là, on va avoir une conférence contée d'Alix Noble. Donc ça, ce sera le 14 mars à 13h à la bibliothèque, ça va durer une heure, sur le thème de la mort, mais pour en parler, afin d'avoir moins peur, puisque le thème de la journée du samedi des bibliothèques, c'est « Même pas peur ». De votre côté, à Nyon, est-ce qu'il y a aussi voilà, des événements qui sont comme ça fédérateurs et rassembleurs entre les différentes bibliothèques des communes oui, et des cantons ? Oui, alors je dirais que justement ce 14 mars, le samedi des bibliothèques, qui est une initiative du canton de Vaud et qui a émergé et essaimé dans toute la Suisse romande, la bibliothèque de Nyon y participe également avec des comptes et croissants avec Anne-Claude Rudig. Et l'idée, c'est vraiment ça, de créer des liens encore une fois. Et puis, on parlait tout à l'heure de répondre à un besoin, finalement, des lecteurs. À Gland, par exemple, on peut citer la livraison de documents à domicile. Sandrine Alamont, vous pouvez nous en dire un petit mot, peut-être. Oui, tout à fait. C'est un nouveau service. Le but étant vraiment de pouvoir apporter, en fait, des documents aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, que ce soit de manière temporaire ou de manière générale. Donc là, on espère aussi pouvoir atteindre en fait, des personnes qui ne peuvent plus se déplacer à la bibliothèque et leur proposer aussi un moment de lecture sur place, à domicile, pour un échange aussi, parce que voilà, on reste toujours autour de l'échange et du lien social. J'imagine, Claire-Philippe Agnon, aussi les mêmes besoins, c'est finalement répondre à un public large, tant les plus jeunes que les plus âgés. Oui, absolument. Et puis, pour rebondir sur ce que dit ma collègue, finalement, il y a une initiative qui a été mise en place en janvier 2018, qui est la gratuité pour les bibliothèques de Rolles, Gland et Nyon. Donc vraiment, à ce niveau-là, ces trois villes agissent et œuvrent pour la démocratisation de la culture, ce qui est vraiment le but des bibliothèques et des bibliothécaires. Et puis, une nouvelle campagne d'affichage est relancée ce printemps à Gland et à Nyon. Et est-ce que, comme Sandrine, vous avez un événement chouchou à nous en faire part du côté de Nyon ? Oui, je pense qu'il y a vraiment la Bibliothèque sonore des femmes, qui a un projet, une installation sonore proposée par l'artiste Julie Gilbert et qui tend à mettre en lumière les écrivaines et les femmes savantes ou puissantes qui ont été un peu oubliées. Et si vous avez envie de dialoguer ou d'écouter ou de téléphoner avec Olympe de Gouges ou Émilie Dickinson, il n'y a plus qu'à passer à la bibliothèque entre le 27 avril et le 16 mai pour dialoguer et écouter. Comme quoi la littérature est aussi féminine et ça c'est important de le soulever. Sandrine Alamont, dernière question, la bibliothèque de vos rêves finalement, c'est laquelle ? C'est la bibliothèque qu'on appelle bibliothèque troisième lieu, où justement ça va être le troisième lieu après la maison, le travail, un endroit justement où on se rassemble et où on peut faire vraiment beaucoup d'activités différentes en lien avec le livre, mais peut-être même on peut aller au-delà, tout ce qui est en rapport en fait avec les mots, et on espère pouvoir en arriver à ce stade dans quelques années. Dans l'avenir des bibliothèques à Gland aussi. Même question pour vous du côté de Nyon, la bibliothèque des rêves. Alors, on espère qu'elle sera réalisée pour bientôt parce qu'il y a un très beau projet et à Gland et à Nyon pour, en effet, peut-être construire des bibliothèques troisième lieu avec cette idée de lieu de rencontre, lieu central dans la cité et qui fait vivre et mettre en relation tous les citoyens. Peut-être juste des sites internet à nous donner, où est-ce qu'on peut découvrir toutes les informations, Sandrine ? Oui, alors tout à fait. Donc, pour les résidences, sur www.grand-champ.ch, où là, vous avez aussi le programme de toutes les animations de la bibliothèque, et évidemment le site de la ville de Gland, www.gland.ch.
Et du côté de Nyon ? Un seul site, www.bibliothèque.nyon.ch. Merci mesdames d'avoir été avec nous. On se réjouit d'avoir vos activités littéraires d'ici très vite. Merci. Merci. À qui est-ce Q ? C'est le spectacle d'Agathe Azar Rabou, une création jouée à l'espace et ce vendredi 14 et samedi 15 à 19h30, puis dimanche 16 à 16h. On regarde le teaser et promis, on en parle tout de suite après. Agathe Azar Rabou, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Ce spectacle, Agathe, c'est finalement faire la paix avec votre corps. Expliquez-nous. Oui, c'est un spectacle que j'ai eu envie de créer parce que j'en avais marre de perdre mon temps, mon argent, mon énergie à essayer de ressembler à quelque chose auquel je ne ressemblais pas. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce spectacle pour partager ça avec un maximum de gens. Le point de départ, je crois, de ce spectacle, c'est une lecture, mais aussi un journal intime. Comment il est né, finalement, ce spectacle ? Il vient de votre propre expérience, votre vécu, comme vous nous le disiez. Oui, je crois que c'est à la fois des lectures de textes de théorie féministe, et puis en même temps, le fait de repasser par ma propre expérience. J'ai relu tous mes journaux intimes, en fait, pour le créer. Et ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça terrible de voir que, déjà à 8 ans, je me plaignais de mon physique. Et je me suis dit que 30 ans, c'était peut-être le moment d'essayer de faire la paix. Aujourd'hui, si je comprends bien, quelque part, ce spectacle a une forme exutoire. Tout à fait. Oui, c'est comme un rituel. Enfin, je le vois comme un rituel à chaque fois que je le joue ou je le partage, en fait. Il y a mon expérience, mais j'ai aussi fait appel à plein de gens qui ont fait des témoignages, qu'on entend aussi. Et l'idée, c'est vraiment de libérer la parole à ce niveau-là et d'inviter les gens à la fin à parler avec moi de leur propre rapport à leur corps. Donc en termes de mise en scène, comment est-ce que vous l'avez travaillé, ce spectacle ? À quoi il ressemble ? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre quand on va voir à qui est ce cul ? Je dirais que c'est plus une expérience, un moment de partage. Ce que j'essaie de faire, c'est de créer une communauté en fait, avec le public, de compassion en fait, et qu'on soit vraiment un espèce de bienveillance où on peut toutes... se reposer un peu. On a vu hein, dans les images des costumes, là aussi, ça a une forme, ça rapporte quelque chose. Comment vous les avez travaillés, ces costumes ? Alors, c'est pas moi, j'ai fait appel à une artiste qui s'appelle Léa Meyer et on a vraiment travaillé conjointement sur cette idée de costume. J'avais envie de me créer cette seconde peau, un peu qui soit comme un doudou, enfin celle qu'on voit, et puis elle a aussi réalisé d'autres costumes qu'on voit plus tard dans le spectacle. Voilà, c'était une collaboration avec elle. Vous avez choisi la nudité comme forme de vecteur, pourquoi ? Parce que pour moi, la nudité, ça permet de s'émanciper. Le titre du spectacle, c'est une question à qui est ce cul ? Parce que je me demandais vraiment, mais qui... j'avais envie de me réapproprier mon corps pour dire qui décide que ce cul, ou que ce bras, que ce ventre, enfin n'importe quelle partie. J'ai utilisé ce mot-là aussi pour l'humour. Une pointe de provocation aussi, j'imagine, aujourd'hui. Oui. Quand on parle cul-sexe, forcément, là, tout le monde regarde, malheureusement ou pas. Oui, alors c'était pas l'idée de la provocation, c'était plus du clin d'œil, de l'humour. En fait, tout de suite, j'ai l'impression que même là, dans l'émission, on commence en disant « à qui est-ce que ?», on est tout de suite assez détendu, alors que c'est des questions quand même plutôt graves et pénibles. Enfin, j'ai l'impression que c'est une source de tristesse et pour pas mal de monde, en fait. Voilà. Quels sont les retours, justement, que vous avez eus de la part des spectateurs, ceux qui sont venus vous voir, vous nous parlez d'une expérience. Donc, quel est le lien qui se crée entre vous, eux, le spectacle ? Souvent, à la fin, ça donne vraiment lieu à des grandes conversations. En fait, on parle que de ça. Même les gens que je recroise après continuent de me parler. Il y a des gens qui m'écrivent plus tard, qui s'identifient, qui, du coup, ça donne envie, en fait, de parler de son propre rapport à son corps. Et je pense que c'est vraiment cette libération que je recherche pour se dire, en fait, on est toutes assez démunies face à ça. Et ça permet de se donner de la force, de se dire, mais si elle, si lui, ils se sentent aussi mal... C'est vraiment, on est tous égaux quoi, par rapport à ça. J'imagine, vous nous disiez que vous avez passé par un réel processus intime pour en arriver là, quelque chose de difficile. C'est pas facile, hein. On se met à nu, vous vous mettez à nu physiquement, émotionnellement. Oui, complètement. Par la lecture de mes journaux, par vraiment cette confession, mais parce que c'est cette idée aussi d'arrêter avec...
les apparences et d'essayer, c'est cette société qui nous enjoint à avoir l'air bien, avoir l'air toujours voilà, opérationnel. Et l'idée, c'est d'accepter d'être dans cette vulnérabilité. Et on a beaucoup parlé littérature dans cette émission. Lecture, vous nous parliez de sources d'inspiration littéraire, c'est lesquelles ? Alors, pour ce spectacle-là, c'était beaucoup Beauté fatale de Mona Chollet, qui a ressorti un livre depuis, Sorcière, que je recommande aussi. Vrai, voilà, tous les essais féministes de Donna Haraway, voilà. Comme d'habitude, quand on nous pose la question, il n'y a rien qui vient. Mais voilà. Vous avez lâché le mot féministe, j'allais y venir. On a parlé tout à l'heure de littérature féminine. Là aussi, est-ce qu'il y a une revendication dans le féminisme pour les féministes ? Ah, complètement, oui. C'est laquelle ? Qu'est-ce que vous revendiquez justement du point de vue féministe ? Le droit de se réapproprier son corps, de le posséder, d'en faire ce qu'on veut et de ne pas vouloir forcément se conformer au corps qu'on nous dit devoir avoir. Agathe Azarabou pour le spectacle « À qui est-ce cul ?» à voir donc le vendredi 14 et samedi 15 à 19h30, puis le dimanche 16 à 16h à l'Espace et à Nyon. Est-ce que vous avez d'autres dates à nous partager, peut-être d'autres projets en création ? Où est-ce qu'on peut vous voir ? Oui, je peux te dire que le spectacle sera repris à Lausanne au mois de mai lors de la fête du slip. Voilà. La fête du slip qu'on adore, du cul, du slip, tout ce qu'il faut. Voilà. Merci Agathe d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Quant à nous à la maison, on se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventures. À très vite.